Olaf, c'est un chien qui vient de Roumanie. Il a été trouvé dans une boîte avec ses frères et sœurs quand il avait 2 ou 3 semaines, je crois. Donc je l'ai récupéré quand il avait 4 mois et demi en mars dernier. Mais du coup, les humains, ça se traduit par des aboiements dans l'appartement dès qu'il y a un bruit de couloir. Le simple fait que t'as dit bonjour, ça l'a fait aboyer. Et c'est ça au quotidien. Les premiers signes, ça devait être en juillet. Premier signe en juillet, entre guillemets infernal, depuis septembre. D'abord, on a vu un premier éducateur début septembre, donc quand on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on n'arrivait pas de nous-mêmes à essayer à corriger ces trucs-là. Plutôt mal passé, vu que Olaf a aboyé pendant 1 heure, et ensuite, cette éducatrice... Ouais, on l'a enfermé dans une chambre, et il a aboyé pendant 1 heure et demie, le temps qu'on s'entretienne avec l'éducatrice, en fait. Donc sur ses instructions, nous avait dit de faire ça. On voulait quand même, malgré tout, prendre des cours avec cette éducatrice, mais elle nous a... malgré les relances, elle ne nous a jamais rappelé. Donc là, on a perdu à peu près 1 mois, entre guillemets, qu'on aurait pu entreprendre avec quelqu'un d'autre. Olaf a un peu aboyé sur la voiture. Olaf, ici. 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 Voilà. Jours de première approche, donc tout ce qui était éducation positive, c'était vraiment... C'était ignoré quand il a aboyé dans l'appartement. On l'a rappelé, en ayant appliqué ça pendant 15 jours, un mois du coup. Donc ce mois-là, donc septembre, a été perdu, entre guillemets. On a ensuite passé sur une autre éducatrice, malgré le fait qu'on l'avait redirigé et continué à mordiller, on l'isolait, donc là c'est notre salle de bain. On l'isole dans la salle de bain 1 ou 2 minutes. Pour croiser les gens dans la rue, on devait donc se balader tout le temps avec des jambons sur nous. Et dès qu'on croisait quelqu'un et qu'Olaf avait regardé cette personne, on le félicitait avec des jambons. Et non, d'abord dès qu'il posait ses yeux sur la personne, on félicitait avec des jambons. Dès qu'on a fini de croiser la personne, on arrêtait de féliciter. Donc c'était vraiment du détournement. Du coup, bon, je regardais un peu des vidéos un peu partout. Et au final, au détour, je suis tombé sur une vidéo de la méthode Gunn. Dès le début, j'ai été très impressionné par Dexy, impressionné par le fait que t'intervenais toi sur ce que j'ai pas eu avec les deux derniers éducateurs. La première qui l'a fait se mettre dans une pièce au fond, et la deuxième qui était quand même assez loin de lui, qui l'a jamais vraiment vu, enfin même si elle était dans la même pièce que lui, tout ça. Quand elle nous a pas montré la méthode pour les jambons, tout ça, elle était loin. Donc je pense que ça a pas mal motivé notre choix de venir, et surtout ouais, Dexy, c'est impressionnant ce qu'elle fait. Vu que c'était pas mal expliqué dans la vidéo en elle-même, le fait qu'elle interprète les signaux, qu'elle rééduque tout ça, oui. Mais c'est à partir d'ailleurs de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux signaux qu'envoyait mon chien. Ce que je faisais jamais avant, en fait. Incroyable. D'essayer de lire en fait ce qu'il dit. C'est repartir, d'accord, sur des basses scènes pour que lui il arrête d'être stressé comme ça, parce que c'est aussi ça, c'est son stress, il transmet son stress à nous et nous on transmet notre stress. C'est pour lui aussi, quand il est là à aboyer sur des trucs qu'il doit pas aboyer, sur lesquels il n'y a aucune menace,
ça l'empêche de, d'être serein toujours. La nuit surtout, on est, dès que c'est la nuit, vu qu'il a toujours eu que des expériences négatives la nuit, il est toujours alerte, toujours regardé partout, il profite pas entre guillemets de sa balade quoi. Allez, dans quelques instants je vais vous présenter la chienne spécialisée à chien thérapeute que tu vas rencontrer pour la première fois. Et d'ailleurs ton chien doit être aussi impatient de la rencontrer. On est parti ? Ouais. Hâte.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es sûr qu'on va lui enlever la laisse? T'es sûr? Tout de suite qu'on lui enlève. D'accord, mon bébé, on va lui enlever. On va lui enlever la laisse parce que la chaîne spécialisée, elle voit tout. Bah oui, on va lui enlever, mon bébé. D'accord, ok. C'est très impressionnant, franchement, très très impressionnant. Elle est plus impressionnante en vrai qu'en vidéo déjà. Son groulement, il est beaucoup plus puissant. Enfin, on voit qu'elle est, elle est concentrée sur ce qu'elle fait et elle se laisse pas vraiment distraire. Tout ce qu'elle fait, elle semble être vraiment focus sur ce qu'elle doit faire et sur le chien qui est en face de lui. D'elle. J'étais très curieux de sa réaction. J'étais pas sûr s'il allait se passer quelque chose. Je me suis dit peut-être que vu que ça se passe bien avec les chiens, il y aura pas de réaction peut-être de Dexy. Pas du tout. Rien que le fait direct dès qu'elle l'a vu, elle savait qu'il y avait un truc qui allait pas avec sa posture. Quand il faisait des postures comme pour jouer, même ça, elle trouvait des trucs à corriger. Et juste après, en fait, on voyait que elle a essayé de montrer les dents. Juste après ça, donc peut-être que son intention de jeu était peut-être pas si authentique que ça. Je sais pas. Mais ça m'a étonné. C'est ce qui m'a le plus étonné d'ailleurs. Mais le fait qu'il y a un truc à corriger malgré sa posture qui est souvent apparentée à du jeu, ça c'était impressionnant. Ouais. Je suis aussi content qu'on ait pu le détacher à la première séance du mode docteur. Ça veut dire qu'au final le diagnostic est plutôt quand même positif et au moins on est sûr que une situation qui s'est passée là, c'est une situation qui peut se reproduire.
Bah déjà je suis venu avec un chien qui ne pouvait pas voir un humain à moins de 5 mètres de moi quoi. Je suis très content du stage parce que je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui n'était pas bien avec Olaf, en fait c'était de ma faute. En voulant bien faire, je renforçais tous ces mauvais comportements. Ce qui se passait, c'est que je regardais des vidéos partout, à droite, à gauche, en anglais, en français, pour essayer de trouver des solutions dans plein de vidéos d'éducation positive qu'il fallait absolument pas faire. Ce qui est étonnant ici, c'est que je fais des choses maintenant. 3 jours, je vois des résultats. Alors que je faisais des méthodes d'éducation positive pendant 6 mois et que j'ai eu zéro résultat dans ce sens-là et même beaucoup plus de régression, alors que là, en 3 jours, il aboie pas sur Joseph, beaucoup plus calme, il joue avec Eden depuis une heure là, sans aucun souci. J'ai l'impression déjà aussi d'avoir un chien beaucoup plus attentif à moi, alors qu'encore une fois, ça fait que 3 jours. Je suis beaucoup moins stressé. Mon stress, je le transmettais, du coup il stressait, du coup je stressais encore plus et c'était plus possible. C'était vraiment plus possible, j'ai vraiment fait un bon choix de venir ici. Si j'avais su, j'aurais fait ce stage il y a 6 mois quand il avait aucun problème. Comme ça, j'aurais eu toutes les bases directes et j'aurais certainement pas un chien qui est agressif, etc. Voilà, on repart de zéro, mais on repart sur d'excellentes bases grâce à la méthode Gun. Merci à tous les deux d'avoir adopté la méthode Gun. Merci à toi. Merci à toi. Vous allez bien sûr nous donner des nouvelles pour un retour d'expérience. Oui. On va te suivre de très près, bien évidemment. Et on a hâte de voir ta progression. Merci aux internautes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont visibles et disponibles sous la description de cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. On ne le voyait pas en vrai. Fin de tournage. Yes. Salut Joseph et salut à tous ceux qui nous regardent. Du coup, je suis là pour faire mon retour d'expérience après donc être passé à la méthode Gun il y a donc 2 ans maintenant. Je vais commencer d'abord par remettre en contexte, remettre la situation initiale, donc comment j'arrive avant le stage. C'est le dernier espoir pour Olaf, globalement. C'est un chien dont on ne savait plus quoi faire. On était en détresse permanente. Je le sortais en muselière parce qu'en fait, il était agressif avec tout le monde. On était en peur permanente. Un point important, ni lui, ni nous n'étions heureux parce que c'était littéralement toute notre vie était... articulé autour du chien. On ne pouvait pas le sortir sans être en état de détresse permanente. C'était devenu anxiogène, donc c'était vraiment le dernier espoir. Parce qu'on a eu donc des démarches auprès d'autres éducateurs, mais qui globalement ne traitaient pas en fait le problème de fond du chien, et tout ce qui était entrepris étaient des démarches de détourner le chien du problème. Et en fait, le problème de fond n'était jamais réglé. Globalement, c'était la friandise pour le détourner du chien qu'il voulait manger. Une fois que le chien était passé, bon, il avait mangé sa friandise, c'est cool, il n'avait pas réagi, mais si j'avais pas ma friandise, j'aboyais sur le chien, quoi, parce que le problème de fond n'était pas réglé. À cette époque, Olaf était donc agressif sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants. Très dangereux sur les enfants, pour un chien de cette taille. 35 kilos. Chien, évidemment, chat, oiseau, n'importe quoi, en fait, tout ce qui était stimuli, et même parfois les voitures. Donc vraiment, très compliqué de le sortir à cette époque-là. Également, était un chien pas du tout obéissant, malgré le fait que j'avais fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. J'entreprenais beaucoup de choses de mon côté pour essayer de le rendre obéissant, enfin pour essayer de régler le problème, et j'arrivais à rien, tout simplement. Et du coup, donc, dans cet état d'esprit qu'on arrive à la méthode Gun il y a 2 ans et qui était donc encore une fois le dernier espoir pour Olaf. Le stage du coup c'est sûrement la meilleure chose qu'on ait pu faire pour le chien et même pour nous. Le stage en fait c'est une approche totalement personnalisée, c'est-à-dire que Joseph et Dexy en fait ont une lecture parfaite des chiens. Joseph du coup base tout le stage sur notre chien. Joseph en fait nous donne les clés pour comprendre son propre chien. Une fois que cette lecture a été faite par Joseph et sa chienne, on peut commencer le travail du coup, et Joseph commence donc à expliquer comment fonctionne un chien en général et comment fonctionne surtout notre chien. Et la chienne Dexy également, c'est je pense quelque chose qui est unique au monde, surtout quand on voit que les gens viennent d'aussi loin. Il y a à mon avis très peu de personnes dans le monde qui ont cette compréhension du chien, et la méthode Gun en fait c'est une méthode vraiment personnalisée, c'est sans compromis naturel, encore une fois, comme Joseph aime bien le répéter, mais grâce à la lecture de Joseph, grâce à la lecture de Dexy, on est capable d'avoir un plan, en fait,
pour aider notre chien, parce que c'est ça aussi, aider notre chien à se sentir mieux. Et du coup, donc, mon ressenti après 2 ans de stage, au-delà des qualités en fait, d'Olaf que je peux vanter maintenant, il y a un point qui me semble très important, c'est qu'on va mieux tous les deux. Moi, je vais beaucoup mieux, mon chien va beaucoup mieux. Et j'ai plus cette peur permanente. Je suis confiant maintenant quand je sors mon chien. Je vais pas commencer à me dire, est-ce que je vais croiser un chien? Oh mince, là, il y a du monde, non, je vais pas, je fais demi-tour, non. Non, c'est génial. Il est capable de plein de choses. Et surtout, ce qui est le mieux, en fait, avec tout ça, c'est que maintenant, j'ai une excellente relation avec mon chien. Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que grâce à la méthode Gunn, on est capable, en fait, de développer une excellente relation avec son chien. Grâce à Joseph, en fait, on est capable d'avoir une relation de confiance avec son chien. Et c'est génial. Et du coup, maintenant, je suis tout à fait capable de le lâcher sans avoir peur qu'il s'en aille et qu'il ne revienne pas au pied quand je l'appelle. On est capable de croiser des gens avec ou sans laisse, sans qu'il essaye de les bouffer. On peut croiser des chiens sans que Olaf essaye de les bouffer. Je peux l'emmener en voiture maintenant sans qu'il se mette à aboyer sur tout ce qui bouge. Je peux même le laisser parfois dans la voiture sans problème. Avant, c'était pendant 10 minutes. Enfin, pendant tout le trajet. Là, il y a un berger allemand à gauche, magnifique d'ailleurs, très très beau. Là, Olaf le regarde, n'aboie pas dessus. Impossible avant aussi, hein. Avant il voyait le chien, c'était ouf, ouf, ouf. Avant et après. Hein. Très beau berger allemand d'avenir. Hop, là on va laisser passer une poussette. Pareil, ça normalement avant ça aboie dessus. Là maintenant, plus du tout. Là. Ah oui, tiens là, très intéressant. On est à côté d'un bus et avant, bah, dans les bus il y a des gens qui sont à peu près à sa hauteur. Du coup, bah là, il les regarde, mais pareil, il a beau pas dessus. Alors qu'avant, quand on était à côté d'un bus, c'était très chiant parce que ouf, 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 ouf. Et voilà. Donc là, c'est mieux. On va dire. Attends-moi, Olaf. Ah putain, il pleut. T'as peur, ma grande. Olaf, on retourne. On retourne. Ah là, au pire. Ça fait du bien. En fait, c'est littéralement la meilleure chose qu'on peut faire quoi. Pour son chien quand on a un chien qui a un problème comme ça. Parce que si on vient à la méthode Gunn, c'est je pense qu'on a déjà testé autre chose avant et que ça n'a pas fonctionné en fait. On voit beaucoup de façon des stagiaires qui viennent et qui ont entrepris des choses avant de venir à la méthode Gunn et qui ne s'en sortent toujours pas, et c'était mon cas, ça va être le cas de plein d'autres après en fait. Ça nous donne les clés par une méthode naturelle, par une excellente compréhension du chien, de réussir à comprendre son propre chien et à profiter de lui quoi, tout simplement. C'est vraiment, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre pour mon chien. Audrey est venue adopter la méthode Gunn, c'était il y a 4 ans. Mm. Et 4 ans après, tu t'es dit, je viens à la méthode Gunn parce que tu as senti effectivement
certaines choses dans la dimension du chien qui n'allaient pas. Tu peux nous raconter un petit peu les différentes expériences que tu as pu rencontrer qui t'a amené effectivement à dire bah finalement je vais venir à Method Gun pour évaluer son comportement, ses intentions, son niveau des codes canins. Docteur! Docteur! Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember you are me. I try to work, but it doesn't work. I try to say something. Izé, les gunners te connaissent parce que tu es venu adopter la méthode Gun il y a un an et demi. Ouais. Avec Django. Et là, un an et demi après, tu décides de revenir adopter la méthode Gun avec un nouveau chien. Maya. Maya. Docteur! Quelle surprise de se retrouver, Catherine. Catherine, qui était venue en 2019 adopter la méthode Gun avec Athos, c'est-à-dire pas celui-là. Non. Comment ça va depuis? Bah ça va bien. Il est épanoui. Il est transformé en fait. Et maintenant c'est, on peut tout lui apprendre. Tu as mis en œuvre ce que je t'ai enseigné. Ouais. Tu as pu les appliquer. Tu as pu les ajuster aussi en fonction des situations. Ouais. Tu t'es senti finalement armé. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es venu avec un nouveau chien. Voilà, parce que en fait, passer à la méthode Gun,
ça nous fortifie en fait et on a moins d'appréhension. Et en fait, on se dit, on peut adopter 25 chiens, en fait. J'en ai 4 déjà. Ouais, là, c'est pour ça. Ok, non, alors... c'est vrai, hein. Ouais. C'est... on est plus rassurés, en fait. Docteur ! Mais moi, hier soir, quand je suis rentrée avec Naya, elle a eu un quart d'heure de jeu avec Athos, sans heure, on va dire. Vraiment, je les ai filmés et tout, je me suis dit, oh, ça, je vais le conserver, parce que en fait, la mienne, elle ne s'est pas jouée. Et hier, dans le mode docteur déjà, Eden avait commencé la communication avec un jeu. Ouais. Bon, c'était la fin de la séance, donc on est parti. Et le lendemain, elles se sont observées, mais alors super longtemps. Et après, elle a pris des jeux et elle a un peu vocalisé pour lui dire que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Et puis après, elle s'est permise de prendre un petit jouet. Et puis ça s'est passé tout bien. Tout welcome, bienvenue à la méthode Gun. Aujourd'hui nous sommes avec Gioni. Gioni qui était venu adopter la méthode Gun il y a 7 mois déjà avec Aina. C'est et ça. Sienna. Comment tu vas depuis le stage à la méthode Gun et quelles sont les progressions que tu as réussi à mettre en place? Il y a énormément de progrès du travail entre elle et moi. En tout cas même dans l'obéissance et... dans l'environnement de vie, il y a, voilà. Moi aussi j'ai adopté un nouveau comportement. Donc du coup, comme on peut la voir là, voilà, elle se comporte très bien, j'ai pas besoin de parler, juste les mouvements, juste moi aussi la façon dont je me comporte. Et du coup la chienne s'adapte directement. Tout le monde dit, ah, c'est une chienne super speed, elle est un peu partout. Et on peut voir, voilà, et maintenant elle sait quand est-ce qu'il faut être speed, quand est-ce qu'il faut se calmer. On peut le voir là, c'est vraiment super, donc beaucoup de travail entre elle et moi. Elle comprend bien, c'est ça, je sais lui apporter l'information et comment elle doit le prendre. Donc ça, vraiment génial. Et puis, elle découvre aussi toujours son environnement. Il y a aussi des choses, comme je disais, c'est des fois, nous, on a peur d'aller dans telle ou telle chose. Du coup, le chien le sent, ainsi de suite. Donc là, elle découvre tout, on fait tout, un peu tout. La voiture qu'elle détestait la première fois que je suis venu, bah maintenant, faire tout le trajet, ça nous a pris une heure, mais elle était derrière, sagement, tranquillement, et voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, ça se passe bien. Et tout ça naturellement. Exactement, voilà. Tout ça, même sans avoir été détaché avec Dexy, ça s'est fait quand même. Il y a quand même quelque chose qui a été apporté. Bonjour, alors, petit retour d'expérience sur la méthode Gun. 2 ans après... avec Panda, on avait un chien qui n'obéissait plus, quasiment plus, presque plus du tout. Un chien qui mangeait tout ce qu'il trouvait en balade, des mouchoirs, des bouts de pain qui étaient sur le bord laissés par des gens, enfin voilà, tout un tas de choses. Un chien qui ne revenait pas au rappel, qui ne jouait même plus avec nous, qui s'intéressait plus à nous en fait, voilà. Qui ne partageait pas avec les autres chiens, qui ne jouait plus avec les autres chiens, qui s'était un petit peu renfermé, qui ne vivait pas sa vie de chien. Et 2 ans après la méthode Gun, beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de travail, travail de tous les jours, ne rien lâcher, et un chien qui rejouait avec les autres chiens, donc ça merci à l'intervention d'Eden. Et 2 Dexy. Qui a vraiment changé le comportement de Panda avec les autres chiens. Ben là, on a fait une balade tout à l'heure. Il a laissé traîner des bouts de pain qui étaient par terre. Grosse fierté. Un chien qui revient au rappel. Un chien qui était aussi agressif avec les enfants, il avait dû se faire embêter à travers
la clôture du jardin. Donc là, bah, ça c'est en grosse amélioration également. Voilà, un chien qui maintenant partage les jouets, son panier avec d'autres chiens. Un chien qui est attentif à nous en balade. Comme vous... Il m'attend, voilà. Le beau, pour aller se baigner. Donc, plus rien à voir. Un nouveau toutou et merci beaucoup Joseph. Merci énormément parce que c'est redevenu un plaisir de promener ce chien, de s'occuper de ce chien. Bah, c'était presque devenu parfois une angoisse ou une corvée hein, finalement de l'emmener en promenade. Donc un renouveau. Merci encore. Et je conseille à tout le monde, tous les gens qui ont des problèmes de comportement avec leur chien, de s'orienter vers cette méthode naturelle. Aucune friandise. Et ça, c'est vraiment ce que nous on cherchait avec un chien goulu comme il était. Ça change la vie. Voilà. Viens chercher. Bah, il est où? Oui. C'est bien. Lâche. Ok mon beau. Viens chercher. Hop. Bah, il est où le bâton? Il est devant lui. Allez, apporte. Oui! Petit loup. C'est très bien mon chien. Allez, tu files. Tu vas faire quoi, non, on va faire le temps. Bah, j'espère que tu vas faire ce que moi aussi, je suis pressé. C'est pour toi. Mais c'est ça aussi que tu vas faire pour réussir. C'est bien, Shelby, vas-y. Vas-y, Shelby. C'est bon, ça y est. C'est bien Shelby. Allez Shelby. C'est ce que j'ai. Donc c'était ma question à la base de dire. Mais en fait, quelle est la nuance entre te sauter dessus, on voit les différents degrés, te sauter dessus en mode docteur avec pleine conscience et une prise de décision qui vient de Dexy seulement, où elle saute sur toi vraiment pour dire il faut libérer, et ensuite il y a les différentes nuances où quand elle saute sur toi mais elle ne met pas les pattes, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on va voir. C'est incroyable et justement, moi je te propose si tu le souhaites, qu'on réalise justement cette expérience. Et la question que tu poses, voir si véritablement... Dexy va sauter sur moi en posant ses pattes sur moi. Si tu le demandes, là, la différence. Et on va le voir, justement. C'est parti. Ça va mon petit Dexy? Check. Check. Tu check. Oh là là, ok, tu sautes. Saute. Vous avez vu? Je sais pas si on me voit. Saute. Vous avez vu? Contrairement à ma petite chaîne Gun. Gun, tu sautes. Hey mon Gun, viens mon bébé Gun. Bonjour Gun. Tu sautes? Oui, Gun, elle saute. Bah oui, Gun. Ok, Gun, elle saute très très bien. C'est la star d'Internet. Maintenant, c'est Dexy. Et vous avez vu? C'est incroyable. Vous avez vu? Elle ne met pas ses pattes, elle met ses épaules, en fait. Sur le côté, voilà, exactement. Toujours. C'est incroyable. Et puis, elle saute vraiment pas haut. C'est un petit... pour te faire plaisir. Non, mais elle se met pas. Elle le fait vraiment, mais elle pose pas sa patte. Elle n'appuie pas. Ouais. Exactement. Tu vois, quand elle a sauté, mais sur le côté. On va le refaire. Tu sautes. Saute. Saute. Tu vois, regarde. Tu vois l'hésitation? Ouais. C'est pas normal. Attends, pour elle. Attends, elle me redonne. Dis bonjour. Saute. Saute. Regarde, regarde ce qu'elle fait. Tu as vu? Ouais, tu sautes. Regardez. Vous avez vu? Tu sautes. Regardez. Tu sautes. Vous avez vu? Ok. Alors que le mode docteur, elle pose ses deux pattes et elle te pousse. Mais c'est incroyable, Dexy. Tu es incroyable. C'est incroyable, ça. Bien.
Hein, c'est incroyable. T'as vu quand j'ai demandé à maman de sauter, elle a sauté tout de suite. Mais toi, quand je te demande de sauter, tu sautes. Mais tu poses pas ta patte sur moi, saute. Oh, si tu poses ta patte, c'est bien, mon bébé. T'es gentil. Extraordinaire. Non, mais c'est incroyable. J'adore. Là, ce qu'on a pu effectivement voir, c'est que Dexie a effectivement sauté, mais sans véritablement me toucher. Elle saute sur le côté, mais sans véritablement mettre sa patte. Et elle s'est pertinemment dissociée justement entre la conviction de sauter, parce qu'il faut absolument qu'on détache. Elle essaie de me faire comprendre que là, c'est le moment. Que là, ouais, je saute, mais il n'y a pas de conviction. Mais... Et en plus, elle le fait sur le côté, on l'a pu le voir ouais. ensemble. Et c'est souvent, durant le jeu, même quand je lui demande de sauter, elle ne le fait pas véritablement. C'est... Et pour elle, ça a une signification qui est importante chez elle. Ça se voit. Elle a vraiment un langage, en fait, que tu as su interpréter et comprendre. Il y a une réelle différence et elle te montre. Après, c'est à toi, et c'est ça qui est beau aussi. C'est à toi de savoir l'interpréter, de comprendre, d'avoir cette réelle connexion et confiance pour pouvoir. Et on voit la différence. C'est-à-dire qu'elle... Dans son corps, dans sa façon de sauter et d'agir, on voit les nuances, on voit la différence. Si on la catégorise comme un chien, comme tous les chiens, tous les mêmes, on ne pourrait pas. Et c'est ça la beauté. Et on voit la différence avec Gud. En tout cas, j'ai été vraiment heureux de vous avoir partagé cette petite subtilité qui, j'espère, permettra de voir la dimension aussi incroyable de ce que la chaîne spécialisée peut entreprendre avec ses semblables. Et c'est exactement comment ça se passe et quand venir, hein ? À la fin, elle est trop forte. Elle fait la même chose la dernière fois. J'adore. Incroyable. Gun, elle est venue là pour rentrer. D'accord. Et Gun qui va sur le terrain de la méthode Gun, t'as même pas dit bonjour. Bah alors, la politesse quand même, Gun. Eh ben oui, Gun. C'est le bonjour toujours, Gun. Toujours la formule de politesse. Eh ben oui. Oh, t'es belle. Beauté. Coucou Joseph, j'espère que tu vas bien. Ce petit message pour te remercier encore une fois des 3 jours. C'était génial de revenir, de revoir tout le monde et de pouvoir discuter avec toi de manière plus approfondie sur tout. Donc c'était vraiment super cool. Je te fais un petit retour pour te parler des deux loulous. Je vois une nette amélioration au niveau de Maya qui ne n'aboie plus sur les gens, qui n'est plus surprise. Enfin, voilà, elle va me regarder le comment elle doit réagir, donc c'est génial. Il y a vraiment une belle amélioration à ce niveau. Django aussi est moins protecteur et dissocie un peu le comportement de Maya. Donc voilà, c'est génial. Je disais qu'en une semaine, c'est incroyable de voir déjà le changement et tous les comportements inappropriés qui ne sont plus là, en fait. Il y a plus d'actions qui ne sont pas bonnes, quoi. Et au niveau des congénères, tout est good. Voilà, Maya a l'air plus ouverte. Elle va à la rencontre. Tout est top, voilà. Donc je voulais encore te remercier de faire aussi ce petit retour et voilà, je suis vraiment super contente, c'était génial ces 3 jours d'avoir pu rediscuter avec toi et te voir. C'est toujours sympa par message, voilà, toujours sympa de revoir en vrai. Mais voilà, un grand merci, je te souhaite un très bon week-end, un bisou aux louloutes. Et puis la petite Gun que j'ai revue et que j'étais trop contente de revoir. Elle est vraiment spéciale. Hein. Son regard, c'est incroyable.